Dieu, que le Seigneur vous bénisse pour ce temps favorable. Et nous sommes tellement heureux de nous tenir devant vos petits écrans pour vous parler de la part du Seigneur. Et pour cela, avant de commencer notre sujet du jour, et nous aimerons dire un grand merci au pasteur Michel qui a permis que nous puissions nous tenir au devant de vous pour ces moments du partage de la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste. Avant de commencer, nous allons dire un grand merci à l'Éternel pour ce temps favorable qu'il a permis. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps favorable. Tu as voulu que nous puissions nous tenir au devant de ta présence. Saint Père, nous disons merci pour tes bienfaits. Saint Père, nous disons merci pour ton amour infini. Seigneur, nous prions pour ce temps de la prédication que nous recommandons entre tes saintes. Laisse que ta parole soit prêchée telle que tu le veux. Prière de la réfriture de toute connaissance ainsi que de toute sagesse venant de ta part. Yahweh, que ceux qui nous suivent au Père éternel, derrière cette parole, qu'ils puissent recevoir la solution à tous leurs problèmes. Dans le nom puissant, glorieux et précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Père de Dieu. Et nous allons parler d'un thème qui s'intitule « Il n'y aura plus rien de mauvais en toi ». Je me répète, il n'y aura plus rien de mauvais en toi. Et pour commencer et notre enseignement, nous allons lire le livre de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, le verset 38 au verset 41, je lis la parole du Seigneur. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour le fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir de l'herbe. Il trouva de la vigne sauvage et il en cueillit des coloquettes sauvages plein son vêtement. Et quand il entra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, l'homme de Dieu. Et ils le purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Et il en jeta dans le pot. Et il dit, sers à ces gens qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, actuellement nous vivons une période tellement difficile. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit, Élisée revint à Gilgal. Gilgal n'est pas n'importe quelle ville. Gilgal, c'est la ville où le Seigneur avait fait la circoncision des enfants d'Israël avant de pouvoir posséder la terre promise. Avant même que Élie ne puisse être enlevé, il devait passer avec Élisée dans la ville de Gilgal. Et parce que c'était d'abord le premier lieu avant l'enlèvement, c'était de passer dans la ville de Gilgal. Mais quand le prophète vient, il a trouvé qu'il y avait une famine dans le pays. La famine apparaît beaucoup plus dans les temps des prophètes lorsque nous lisons la Bible. À tout moment qu'il apparaissait un prophète, il y avait toujours une famine. Or, la famine dont la Bible nous parle, c'est aussi le manque de connaissances. La famine dont on nous parle aussi, c'est ce qui nous arrive actuellement. Et la famine est tellement entrée dans l'Église, il y a des mauvais enseignements, il y a des faux enseignements. Et cette famine a poussé le peuple de Dieu à faire un exode pour chercher la nourriture pour manger. Et la Bible dit qu'il y avait la famine dans le pays. Et comme le fils des prophètes était assis devant, il dit à son serviteur, mets un grand pot. Et les prophètes autorisent au verset 38 à l'âme de ses serviteurs de pouvoir préparer la nourriture pour donner à manger au peuple qui avait faim. C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'Église. Les hommes de Dieu ont une mission de préparer une nourriture pour le peuple de Dieu. Ils sont appelés à préparer la nourriture, ils sont préparés à nourrir le peuple de Dieu. Parce que l'Église est en train de traverser une période de famine où la connaissance de la parole de Dieu est en train de disparaître dans la vie de plusieurs personnes. Et les gens sont à la recherche de cette connaissance. Et à cause de cette famine, les gens ont immigré dans de mauvais pays. Et ce qui crée aujourd'hui
beaucoup de discorde au sein même de l'Église. Et lorsque nous lisons la parole du Seigneur, la Bible dit, l'un des sortis, au verset 39, l'un des fils des prophètes est sorti dans les champs pour trouver quelque chose à manger. Et la Bible dit, il en cueillit des colonquettes sauvages appelées son vêtement. Et la Bible dit, il a coupé un morceau dans le pot et il a placé la colonquette dans le pot où était le potage. Et c'était quelque chose que quelqu'un est allé prendre à l'extérieur. Le fils du prophète est sorti pour aller trouver quelque chose à préparer. Il y avait déjà les potages et il est arrivé avec de la colonquette sauvage. Et personne ne connaissait la nature de cette nourriture. Personne ne connaissait. Personne ne connaissait la nature du colonquette sauvage. Mais c'est le fils du prophète qui a amené la colonquette sauvage dans la nourriture. Le peuple avait faim. Le peuple voulait manger. Mais c'est le fils des prophètes qui a amené quelque chose, qui a introduit la mort dans la vie des enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous vivons de telles choses dans la vie de beaucoup de chrétiens. Et à la recherche du bonheur, les gens sont en train de courir derrière les hommes pour chercher les miracles, à chercher des prophéties. Mais cette façon de faire les choses a amené le mauvais dans la vie de plusieurs personnes. C'est le serviteur qui est sorti. Il est allé accueillir de la colonquette sauvage. Il l'a placé dans la nourriture, dans le pot où était la nourriture. J'aimerais te dire, qu'est-ce qui a été placé dans ta vie? Qu'est-ce qui a été placé dans ta vie? Qu'est-ce qui a été placé dans ta vie? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont victimes des hommes de Dieu à cause des mauvais enseignements. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont amené une mauvaise doctrine au sein de l'Église. Et cette doctrine est en train de détruire l'Église à petit feu. Qu'est-ce qui a été semé au-dedans de toi? Parce que tu as faim, tu veux manger. Les enfants d'Israël, les fils des prophètes, ils avaient faim. Ils voulaient la nourriture. Je sais que tu as un problème. Tu as besoin de la guérison, mais tu dois faire attention. Lorsque nous cherchons la guérison, nous pouvons être exposés à des faux prophètes. Lorsque nous cherchons la visitation divine, nous pouvons aussi être confrontés à des faux pasteurs. C'est ce qui est arrivé à ce peuple. Quelqu'un est allé prendre un légume qu'on ne connaissait pas, il l'a amené. Et ce légume a causé la mort dans la vie de tous ses enfants. Ça peut aussi être ton comportement. Le Seigneur veut te bénir, mais à cause de ton mauvais comportement, tu peux détruire ton mariage. À cause de ton mauvais comportement, tu peux détruire la période de fiançailles que tu vis actuellement. À cause de ton mauvais comportement, tu peux détruire ton travail. Quelque chose qui venait de l'extérieur, c'est ce qui a entraîné la mort. Et j'ouvre une parenthèse pour le marié. Aujourd'hui, nous trouvons dans beaucoup de mariages une femme qui est mariée à un homme qui a peut-être assez de moyens, qui a une amie qui s'est mariée à un homme qui a beaucoup d'argent. Ne cherche pas à vivre ta vie comme ton ami qui a un mari qui a beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, par comparaison, beaucoup de femmes poussent leur mari à faire certaines choses et que le mari ne peut pas faire vu que son salaire ne lui permet pas. Et cela entraîne les disputes, les incompréhensions dans les familles. Parce que la femme est allée voir l'une de ses amies et elle a trouvé que son ami, son mari lui a acheté un téléphone iPhone 13 Pro. Et la femme qui rentre chez elle à la maison, elle dit à son mari, moi aussi je veux un téléphone iPhone 13 Pro. Et si le mari dit qu'il n'a pas l'argent, la discussion commence dans la maison. Et le foyer est détruit. Pourquoi? Parce que cette femme est allée dehors. Elle a amené quelque chose de mauvais dans son foyer. Elle a amené quelque chose de mal dans son mariage. Et cela est en train de détruire son foyer. Ça peut aussi être le cas d'un homme qui sort à l'extérieur et qui voit une femme, qui veut imposer à sa femme une vie qu'il a aimé à l'extérieur. Cette façon de faire les choses peut détruire votre partenaire. Et aujourd'hui, le mal est entre même dans le mariage, où vous trouverez des couples mariés qui sont en train de regarder la pornographie et qui veulent pratiquer certaines choses et de la pornographie dans le lit conjugal. Et cela a amené la mort dans le lit conjugal. Nous avons le problème de la sodomie aujourd'hui qui cause un problème sérieux. Parce que là aussi, il y a des écoles. Il y a ceux qui soutiennent la sodomie et ceux qui ne le soutiennent pas. Et je n'aimerais pas ouvrir le débat ici, mais ce qui est important, nous devons faire attention. Il y a une voie naturelle que Dieu a permis pour que le rapport sexuel soit pratiqué. Mais aujourd'hui, les gens ont amené la colonquette sauvage dans leur mariage parce que les gens se donnent à certaines pratiques dans le rapport sexuel, dans le mariage, qui est en train de détruire leur foyer. Qu'est-ce que vous amenez dans votre foyer? Qu'est-ce que vous amenez dans votre vie lorsque vous vous retrouvez à l'extérieur?
Lorsque nous avons faim, nous voulons à tout prix manger, mais nous devons faire le choix de la nourriture que nous allons manger. La vie est une question de sélection. Se marier est un choix. Nous sommes appelés de faire un choix. Vivre une vie heureuse, c'est un problème de choix. Nous sommes appelés de faire un choix. Quel est le choix de la nourriture que nous sommes appelés de manger? Et ce jour-là, c'était le problème avec ce peuple. L'un des fils des prophètes qui est allé à l'extérieur, il a mené autre chose que les gens ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, peut-être dans ta famille, il y a des gens qui ont amené le célibat dans ta vie. Il y a des gens qui ont fait des mauvaises déclarations sur ta vie. La Bible nous dit dans Ésaïe 54, 17, la partie B, « Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Il y a des gens qui ont prononcé des mauvaises paroles sur ta vie. Et aujourd'hui, ta vie n'avance pas à cause de toutes ces mauvaises paroles qui ont été déclarées, prononcées dans ta vie. C'est ça la conquête sauvage. Quelque chose qu'on est allé chercher à l'extérieur, qu'on a amené dans le pot, là où il y avait le potage. Qui a ajouté les mauvais dans ta vie? Aujourd'hui, dans ton mariage, les choses ne marchent pas. Qui a amené le mauvais dans ta vie? Aujourd'hui, dans ton travail, les choses ne marchent pas. Rien n'évolue. C'est parce qu'il y a un poison qui a été introduit dans ton travail. Et ce poison peut-être a été introduit par ton mauvais comportement, soit par le diable, soit par le lion de famille. Parce que le serviteur était sorti. Il est allé prendre quelque chose. La conquête sauvage. Quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et on a donné à manger. Quand les gens ont commencé à manger, ils ont crié, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Quelle est cette chose qui a mené la mort dans ta vie? Quelle est cette chose qui a mené la mort dans ta vie? Quelle est cette chose qui a mené la mort dans ta vie? Et je sais qu'actuellement, nous traversons des moments difficiles. Nous sommes tous à la quête de la vie. Nous voulons une vie paisible. Nous voulons une vie heureuse. Mais nous devons faire attention de quelle façon procéder pour avoir une vie heureuse. Ne copions pas les autres, ce que font les autres pour avoir une vie heureuse. Cet homme est allé à l'extérieur. Il a amené une nourriture qui avait condamné le fils des prophètes. À cause de tes erreurs, à cause de Bizouazoua, le lo au koki kobima libanda, aux yeux loko amabe, au memi yango nanda kunayo, le kola bisala sala, aux yeux loko amabe, le lo batuba memi bi loko mokili, na kati même ya li conjugal, batuba memi bi loko mokili, même na kati ya bonzambe. Parlons de nos danses aujourd'hui au sein de l'église. Les gens à l'église qui commencent à danser comme des païens, mais les gens vous disent que mabi ne wouta na lola, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Mais qui êtes-vous pour aller récupérer quelque chose que Dieu lui-même a renoncé? Le Seigneur n'a pas retiré les dons précieux qu'il avait donnés à Lucifer. Il lui a laissé ses dons précieux, la musique, l'art de danser, il lui a laissé. Dieu lui a laissé ces choses. Ce n'est pas à nous d'aller déterrer les choses que Dieu lui-même a abandonnées pour dire que ma bine est où t'en allais. C'est vrai, nous sommes appelés de danser, mais nous ne sommes pas obligés de danser comme des païens. N'allons pas prendre le monde pour amener au sein de l'église. Et aujourd'hui, nous trouvons le monde dans l'église parce que ce sont les enfants de Dieu qui sont allés dans le monde. Ils ont copié la façon de faire le monde. Ils ont amené cela au sein de l'église. Et aujourd'hui, les choses ne marchent pas dans l'église parce que nous avons amené les mauvais enseignements, la fausse doctrine qui est entrée aujourd'hui dans l'église, la polygamie qui est soutenue par les autres, l'homosexualité qui est soutenue par les autres. C'est les mauvais que les gens amènent aujourd'hui. Vous avez des filles qui couchent entre elles et c'est les mauvais. Même l'église commence à défendre certaines choses. L'immoralité est entrée dans l'église. L'immoralité est entrée dans nos maisons. L'immoralité est entrée dans nos familles. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes allés quelque part. Le fils du prophète est allé dans le champ. Le champ représente le monde. Le fils du prophète est allé dans le champ. C'est dans le champ qu'il a trouvé la conquête sauvage. Et lorsque nous retrouvons dans le monde, nous sommes appelés de faire attention. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'amener les mauvais du monde dans notre vie. Et ça sera notre problème. Aujourd'hui, tu n'es pas marié, jeune fille, toi qui me suis. Mais tu es en train d'avoir des relations sexuelles avec des hommes à l'extérieur. Or, beaucoup des hommes mariés ou des hommes célibataires ou qui vous couchez ensemble peuvent vous transmettre certaines malédictions des familles. Aujourd'hui, la malédiction peut être transmise par la voie sexuelle. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. La malédiction peut être transmise. Tu venais d'une famille noble. La famille n'a pas de problème. Mais tu as couché avec un homme qui vient d'une famille où il y avait la stérilité. Mais le fait d'avoir ce rapport, ça peut aussi amener les mauvais en vous. C'est en titre d'exemple.
Nous sommes en biologie. Les maladies qu'on appelle les MCT, les maladies sexuellement transmissibles, vous les connaissez très bien. Lorsque vous couchez avec une femme ou avec un homme qui a des infections, vous allez attraper ces infections. De même sur le plan spirituel, lorsque vous couchez avec un homme ou une femme qui est possédée par des mauvais esprits, vous êtes aussi possédé par des mauvais esprits. Parce que le sexe est un moyen que les diables utilisent actuellement pour détruire les enfants de Dieu. Et cela est en train même au sein de l'église. Vous trouvez des frères dans une même église qui couchent ensemble, des sœurs dans une même église qui couchent ensemble. L'impudicité est entrée au sein de l'église. La polygamie est entrée et ne pas l'infidélité quand on est dans les églises. Pourquoi? Parce que les gens sont allés dans le monde. Ils ont copié la façon de faire les choses. Et les gens veulent copier le monde. Et aujourd'hui, l'église commence à ressembler à des boîtes de nuit. On se pose la question, où allons-nous? C'est parce que nous sommes dans une période sombre. Raison pour laquelle la Bible dit, il y avait une famine. Il y avait une famine. Et le prophète est apparu au même moment. Le prophète devait apparaître à cause de la famine. Parce que le prophète vient pour éclairer les enfants de Dieu. Le prophète vient avec la parole de Dieu. La mission prophétique n'est pas de prophétiser pour les gens, mais la mission d'un prophète, premièrement, est de prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il est le porte-parole de Dieu. Mais aujourd'hui, le ministère prophétique est en train de connaître certains dérives. Parce que les gens amènent le mauvais dans ce ministère prophétique. Les gens ont amené les mauvais dans le ministère pastoral et surtout le ministère prophétique. Les gens sont allés voir les davants, la façon de prophétiser les davants. Et cette manière, nous la trouvons aujourd'hui au sein de l'église. Personne ne se pose des questions. Autrefois, quand nous étions des enfants, on savait comment les mbikoudi prophétisaient. On savait comment ces gens faisaient des choses. Mais aujourd'hui, cette façon de faire est entrée dans l'église. Et aujourd'hui, la délivrance est conditionnée. La délivrance n'est pas conditionnée. La Bible dit, vous avez reçu gratuit, donnez gratuitement. Pour le salut, on ne paye rien. Le salut est gratuit. Mais les gens sont allés dans le monde. Ils ont amené les enseignements que le salut devait être acheté, que la délivrance, fallait payer pour la délivrance. Non, le fils des prophètes est sorti. Il est allé, il a mené de la conquête sauvage. Et ma dernière question, elle était posée. Tu viens de quelle famille? Les erreurs passées de nos parents peuvent représenter la conquête sauvage. Peut-être dans le passé, maman ou papa, ils avaient commis beaucoup d'erreurs. Ils sont allés dans le monde. Peut-être ils étaient infidèles. Le fait de rentrer à la maison, les enfants se commencent à hériter l'infidélité de leurs parents. Il y a certaines malédictions qui se transmettent de père aux enfants. Tout ça pourquoi? À cause de la conquête sauvage. Quelque chose du dehors qu'on a amené à l'intérieur. J'aimerais être dur de faire attention. Et avant de chuter, nous allons lire la dernière partie de notre enseignement. Nous allons lire la dernière partie. Et avant de lire, j'aimerais te raconter une histoire. Un jour, il y avait une maman qui avait sa fille qui était mariée à un richissime homme. Un jour, la fille est allée voir son maman. Elle dira à son maman, mon mari c'est un mauvais messier, je vais le tuer. Et je vais me séparer de mon mari. La mère va dire à sa fille, ce n'est pas un problème, tu peux te séparer de ton mari. Mais avant de le faire, j'aimerais te dire ceci, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, comporte-toi bien envers ton mari. Sois une femme douce, sois une femme obéissante vis-à-vis de ton mari. Et la fille acceptait les conseils de sa maman. Et sa maman est allée dans sa chambre. Elle sort avec une poudre blanche dans sa main. Elle donne à sa fille, elle dit, c'est le poison. Quand tu seras chez toi à la maison, mets dans la nourriture de ton mari. Une fois que ton mari va manger, dans 6 mois, il va mourir. La fille, elle est rentrée chez elle à la maison. Elle a mis du poison dans la nourriture de son mari. Le premier mois, le mari vient dire à sa femme, chérie, depuis que nous sommes mariés, je ne t'ai jamais donné un cadeau. Le mari donne à sa femme une jupe qui lui a coûté 100 000 $. Le deuxième mois, le mari dit à sa femme, depuis que nous sommes ensemble, je ne t'ai pas encore donné un cadeau. Le mari donne à sa femme une parcelle qui lui a coûté 300 000 $. 3 mois plus tard, le mari dit à sa femme, je prends mon congé, si tu peux m'accompagner. Ils sont allés à Dubaï, ils sont allés en Europe, ils sont allés aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, le mari offre un colis de chaînettes de diamants à sa femme d'une valeur de 250 000 $. Au 6e mois, à 3 jours de mourir, le mari appelle sa femme dans la chambre. Elle dit, chérie, tu sais que je t'aime beaucoup, mais je t'ai tout donné.
Mais le meilleur cadeau que j'aimerais te donner, c'est mon cœur. La femme commence à pleurer. Le mari pose la question à sa femme, pourquoi tu pleures? Elle n'a pas voulu répondre à son mari. Le lendemain matin, la fille, elle est allée voir sa mère. Elle dira à sa mère, maman, mon mari, c'est une bonne personne. Regarde ce qu'il a fait pour moi. La maman et la fille dit à sa maman, que dois-je faire pour que mon mari ne puisse pas mourir? Ce qui tue le mari, c'est quelque chose que la fille est allée prendre chez sa maman. Elle a mené cette chose dans la vie de son mari. Et c'était la farine qu'elle a menée dans la vie de son mari, la poudre blanche, les poissons. La mère dit à sa fille, il n'y a aucune solution. La maman entre encore dans la chambre. Elle sort avec la poudre blanche, elle dit à sa fille, tu peux manger, toi aussi tu vas mourir avec ton mari. La fille a commencé à pleurer, la maman elle-même, elle a mangé la farine. La fille commence à pleurer, maman, pourquoi tu as fait ça? La mère regarde sa fille, elle dit à sa fille, ce n'est pas du poison, ce n'est que la farine de manioc. La fille ne comprenait pas, la mère dit maintenant à sa fille, le poison qui détruisait ton mariage était en toi. Quand je t'ai dit, retourne chez toi à la maison, sois docile, sois sage vis-à-vis de ton mari, c'était une façon de travailler ton caractère. Parce que le caractère que tu avais, le comportement, l'esprit de tristesse que tu avais envers ton mari, c'est ce qui détruisait ton mari. Lorsque ton mari a vu que tu étais devenu une femme docile, c'est alors qu'il a commencé à te faire les cadeaux. Et la fille dira à sa maman, merci pour tout ce que tu as fait. Par là, j'aimerais te dire ceci. La chose parfois qui nous détruit se trouve à l'intérieur de nous. Le fait de vouloir le bonheur nous pousse à faire des mauvais choix. Le fait de vouloir le bonheur nous pousse peut-être à aller chercher le bonheur dans le monde. Et souvent nous disons que Yanzambe Zoumela, te, Yanzambe Zoumela Kate, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Sois seulement patient. Dans la vie, il y a deux choses, la détermination et la persévérance. Si vous manquez la détermination et la persévérance, vous êtes foutu. Devant le combat, devant les difficultés, vous devez garder ces deux éléments, la persévérance et la détermination. Détermine-toi dans ta vie, tu vas aller de l'avant. Et il y avait de la conquête sauvage. Il y avait de la... Et au verset 40, la Bible nous dit ceci. Au verset 40, on servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, l'homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot. Il dit, serre à ces gens qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais en eux. Mais ce qui peut changer la situation de ta vie, ce n'est pas une prophétie, c'est la parole de Dieu. Élisée n'a pas demandé à ces gens de jeter la nourriture. Tu n'as pas besoin de jeter la nourriture. On n'a pas besoin de te changer les noms. Mais ce que nous allons faire, on va seulement ajouter la farine. Là où il y a la maladie, on va ajouter la farine. Là où il y a le célibat, on va ajouter la farine. La farine représente la parole du Seigneur. Et quand la Bible nous dit ceci, dans l'air d'étresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole le guérit. Il y avait la mort dans le pot. Mais lorsque les fils des prophètes sont venus au devant d'Élisée, Élisée n'a pas demandé aux fils des prophètes de jeter de la nourriture. Il a seulement dit, ajouter de la farine là où il y a la mort. Je mérite de dire, lorsque le Christ entre dans ta vie, les choses changent. Même s'il y avait la maladie, une fois que le Christ entre dans ta vie, la maladie disparaît. Même si ta vie a été condamnée, une fois que tu reçois le Seigneur comme l'unique sauveur, ta vie va changer. Il a fallu seulement ajouter de la farine, pas autre chose. Il a dit, ajouter la farine. Élisée demandait seulement d'ajouter la farine. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 107, 19, 20, psaume 107, 19, 20, vous allez comprendre que c'est la parole de Dieu qui peut sauver. C'est la parole de Dieu qui peut guérir. Là où la mort était entrée dans le pot représente ta vie. Le pot représente ton mariage. Le pot représente ta santé. Peut-être pour toi, c'est la maladie. Peut-être pour toi, le problème, c'est la bonne santé. Peut-être c'est le célibat, le chômage. Mais aujourd'hui, nous allons seulement ajouter la parole. Aie confiance à la parole de Dieu. Crois en la parole de Dieu et tu iras de l'avant. On n'a pas besoin de te changer de nom. On a seulement besoin que tu acceptes la parole dans ta vie. Ésaïe 61, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Pour faire quoi? Tu peux continuer à la maison. Pour faire quoi? Et lorsqu'Élisée demande au fils des prophètes de prendre la farine et d'ajouter là où il y avait la mort, tout avait changé. Lazare était mort. Mais quand le Christ apparaît,
c'est la résurrection. Peut-être rien ne marche dans ta vie, mais quand le Christ arrive, il y a des changements dans la vie. Lazare était 4 jours dans la tombe. Peut-être c'est ton problème. Tu as fait beaucoup d'années, les choses ne changent pas. Mais laisse-moi te dire ceci, tu as seulement besoin de la parole. Crois la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Au commencement n'était pas le miracle. Au commencement n'était pas la prophétie, mais au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui existe ont été créés ou bien faits par elle. C'est la parole qui a tout créé. Et Élisée avait compris que ces gens ici, ils n'avaient pas besoin de guérison, ils avaient seulement besoin de la farine. Il fallait seulement ajouter la farine. Et la farine que représente la parole du Christ. Accepte Christ dans ta vie. Accepte sa parole. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Aujourd'hui, la mort est entrée dans l'église parce que le peuple manque la connaissance. Les gens sont allés à l'extérieur pour chercher de la connaissance. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Nous avons seulement besoin d'ajouter la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous soit favorable. Et moi, c'est le prophète Carlos Moussense de Lubumbashi, responsable et représentant légal de l'église, la trompette du chandelier, ainsi que le ministère, le renseignement des aigles, le chandelier. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse enlever les mauvais que le monde des ténèbres avait amené dans ta vie. Que le Seigneur puisse restaurer ta vie, que le Seigneur restaure ton travail, qu'il restaure ton mariage. Que Dieu bénisse les techniciens qui sont avec nous dans le studio, que Dieu bénisse l'homme de Dieu Michel qui nous a reçu, que la grâce et la faveur divine puissent être votre partage. J'aimerais prier avec vous avant de clôturer. Seigneur, je prie pour ton peuple. Yahweh, je le bénis. Là où le diable avait amené quelque chose de mauvais dans leur vie, nous amenons ta parole, Yahweh Shama, cet après-midi. Que ta parole puisse le guérir. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Ces jours-là, les fils des prophètes ont dit, la mort est dans le pot. Parce que quelqu'un avait amené quelque chose de l'extérieur. Seigneur, je prie que tout ce qui vient de l'extérieur, pour détruire la vie de tes enfants, Père, puisse quitter leur vie au nom de Jésus-Christ. Yahweh, là où il y avait la mort, nous apportons seulement la farine. Nous apportons ta parole dans la vie de tes enfants. Que ta parole sauve, que ta parole transforme. Dans le nom puissant, glorieux, précieux de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons supplié avec une multitude d'actes de grâce. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.